Bonjour. Au retour de la grande fête de Pâques, cette fête met tout en lumière la parole de Dieu et le cheminement de Jésus pour nous. Pâques est une fête éblouissante. Le verbe éblouir, c'est d'être frappé d'admiration. On parle souvent de choses éblouissantes pour nous raconter quelque chose de très frappant. En fait, Pâques, c'est la fête la plus importante de tous les chrétiens, parce que nous rencontrons la promesse de Dieu. Parce que Jésus avait promis de revenir, il a fait le matin de Pâques en toute lumière. J'imagine un peu les femmes venues embaumer Jésus au matin de Pâques et qui ont trouvé le tombeau vide. J'imagine ces femmes être rencontrées par un être de lumière qu'elles n'ont pas tout de suite reconnu, parce que la lumière jaillissait de la personne même de Jésus. Et j'imagine encore les disciples entendre le récit de la rencontre de Jésus par les femmes. J'imagine toujours des disciples incrédules de ce récit encore incroyable. Et pourtant, Jésus de Nazareth leur avait dit. Le Vendredi Saint, c'est la mort des pécheurs quand Jésus les a sauvés par son sacrifice. Mais au matin de Pâques, tout est accompli. Et Jésus sauve l'humanité par sa vie, sa passion et sa résurrection. Avec Pâques, l'espérance renaît et l'humanité se donne la chance d'être sauvée. Rendons grâce à Dieu de se faire proche des êtres humains et de les aimer sans condition. Merci Seigneur de ta présence dans la vie de l'humanité, ta simplicité, ton humilité, ta beauté et ta bonté sont sans limite. Merci Seigneur. Et bénis-nous Seigneur dans nos talents et dans nos limites, afin que nous permettent d'être des disciples d'amour et de justice. Nous te le demandons en même temps que la bénédiction Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyeux temps pascal. Comme toi, je me tiens debout avec.